Merci Rachel, merci Fawzia Sharfi, merci Étienne Klein, merci Didier Pourquery pour vos brillantes interventions. Ça va être compliqué de passer après vous, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Pour vous présenter en fait l'atelier médiation et critique, donc qui est né finalement de la rencontre. Du colloque Sciences, Culture, Croyances, comment en parler, en 2016, et sur lequel, en fait, et du coup, on avait travaillé avec Rachel Mulot dans la préparation de cette rencontre, Sciences, Culture, Croyances, comment en parler, en se disant, on va produire un manuel d'autodéfense intellectuelle. Et lorsque Rachel avait présenté cette idée à la tribune, tout de suite, votre réaction, la réaction en fait des personnes présentes a été « Ouais, non, manuel d'autodéfense, ça veut dire qu'on est agressé, on va aller au combat, tout ça. » Non, produisez quelque chose plutôt sur la communication non violente, sur des démarches un petit peu autres que tout de suite le sentiment d'agression, etc. Et donc, ça a été travaillé, discuté, comme l'a souligné Guillaume Desbrosses donc, en introduction. Et en faisant des va-et-vient avec certains d'entre vous sur les territoires, nous en sommes arrivés à cette idée de proposer, et grâce aussi à la collaboration avec le ministère de la Culture et le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à cette idée que finalement beaucoup de choses existaient sur ces questions-là, sur finalement qui étaient produits ici ou là, et qui ne servaient à rien pour l'AMSI de refaire du contenu, mais plutôt de créer un espace agrégateur sur lequel, finalement, les uns et les autres allaient pouvoir retrouver du contenu, allaient pouvoir puiser de l'information, charge à nous, en tant que réseau, d'en faire une sorte de curation, évidemment de vérifier les contenus en s'appuyant sur des scientifiques. Ça a été évoqué sur le vaccin avec Alain Fischer qui nous oriente, qui nous déstabilise parfois sur nos idées. Et donc, du coup, on en est arrivé à cette idée de créer une plateforme. Une fois qu'on avait cette idée, il fallait après se mettre au clair sur l'ensemble des contenus, parce qu'on parle de fake news, de complotisme, de pseudo-science, de mensonges, de manipulation. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et en fait, notre idée, c'était qu'il fallait aussi différencier ces différents sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Et donc, partant de là, c'est... Qu'est-ce que constitue une connaissance? Comment s'élabore une connaissance? Comment créer l'échange avec l'autre sans être finalement dans un rapport de conflit? Et donc, tout ceci nous a conduit à structurer l'outil qui va vous être présenté dans très peu de temps et avec différentes approches, puisque l'idée première étant de transmettre des outils au service des médiateurs culturels et non pas et des journalistes et des enseignants et des chercheurs également. Donc il y a tout un volet de cette plateforme qui est tourné vers l'apprentissage en ligne et une autre partie qui est tournée vers la question du contenu. Du contenu à la fois, comme je le disais, sur qu'est-ce que la production de la connaissance, qu'est-ce que la différence entre le croire et le savoir, etc. Et des sujets scientifiques, vaccins, climat, évolution de l'homme, etc., etc. Et tout ça. Et bien maintenant, je passe la parole à Mathieu, qui a travaillé de manière acharnée sur ce dossier pour vous le présenter. Merci Didier. Donc, je vais vous présenter la plateforme qui reflète vraiment bien la philosophie du projet dont on parle, avec trois gros volets. Donc, les parcours d'apprentissage, qui sont les parcours que tu évoquais, la médiathèque, qui rassemble en fait tous les contenus qu'on va mettre en avant, et les producteurs de ces contenus, qui sont les contributeurs. Donc on retrouve ces éléments en fait sur la plateforme, donc atelier-mediation-critique.com, qui est ouvert dès aujourd'hui. Et je vais m'attarder à vous décrire ces différents éléments, et principalement les parcours. On a deux types de parcours
des parcours qui vont porter sur des sujets dits scientifiques, donc par exemple les vaccins ou l'évolution de l'homme. Il y en a des parcours qui vont porter sur des notions beaucoup plus théoriques, qui sont les quatre axes que tu as évoqués. Donc, d'une part, les mécanismes de construction d'une croyance, j'y reviendrai, les biais cognitifs, donc se méfier de ses raisonnements, la différenciation entre le savoir et le croire, qu'est-ce qui constitue une connaissance, comment cette connaissance est-elle construite, se construit-elle, voilà. Et un quatrième cours sur les techniques de médiation pour créer une relation avec les personnes de manière apaisée. Et donc je vais m'attarder un peu sur ce quatrième cours, qui est le seul sous format MOOC. Donc quand on arrive en fait sur cette formation, elle est composée de cinq chapitres, donc une introduction pour utiliser l'outil de cette plateforme. Une partie théorie de la médiation, donc quelles sont les postures de médiation possibles, quels sont les grands mouvements de pensée dans ce qu'on appelle la médiation, qui est assez large. Un deuxième chapitre sur une approche sociolinguistique de ce qui constitue la violence verbale fulgurante. Quels sont les éléments qui font violence dans le discours, que peut entendre, recevoir le médiateur ou la médiatrice, mais quels sont aussi ceux qui peuvent véhiculer. On accorde une place importante justement à la définition des places qu'occupe chaque personne dans la relation. Donc avec deux volets sur ce chapitre-là, un volet identification et après un volet remédiation, donc chercher les moyens que les situations de violence ne surviennent pas. Un chapitre sur l'expression corporelle, dans lequel une partie théorique présente des exercices, et une seconde partie avec... un exercice pratique assez important. Des remarques sur la méthodologie de conception d'action culturelle, comment penser dès le début de l'action l'articulation entre les différents composants, le positionnement de la structure, le positionnement de la structure dans un réseau, le positionnement du médiateur, le sujet même, la communication, les autres personnels qui vont avoir un contact avec le public, l'accueil. Voilà, donc on revient sur ces remarques méthodologiques. Et enfin, le dernier chapitre est consacré principalement à des échanges entre professionnels. En effet, en fait, tout le long des chapitres précédents, on invite les apprenants et les apprenantes à développer une situation qu'ils ont vécue ou rencontrée et l'analyser au regard des éléments qu'on développe dans chacun des chapitres. Donc, deux objectifs. Un, pour l'apprenant ou l'apprenante, ça lui permet de s'auto-analyser. Et si il ou elle le souhaite, elle peut le partager à la communauté des apprenantes et du coup créer un regard collectif sur ces situations et participer collectivement à l'élaboration de plusieurs solutions possibles à ces solutions rencontrées. Donc ce cours a été construit avec Serge Chaumier sur la théorie de la médiation. Un autre aspect de ce chapitre-là, c'est sur la démarche d'investigation que vous évoquiez, qui était porté par la Maison pour la Science Nord-Pas-de-Calais. Le chapitre sur la sociolinguistique avec Claudine Moïse, l'expression corporelle avec la coulisse, une compagnie de théâtre lyonnaise. Le chapitre 5, le groupe Trace et l'école de la médiation, qui nous ont accompagnés sur ce sujet. Voilà, donc ça, c'est un des quatre parcours formels. Je reviens donc aux autres parcours. Je vais vous les décrire plus succinctement. Par exemple, se méfier de ses raisonnements, c'est sur l'introduction à la zététique, c'est définir quelques biais cognitifs, parce qu'il y en a une centaine, on ne va pas pouvoir faire tout le tour, et pour permettre aux apprenants de les identifier et de ne pas les utiliser. Voilà. Technique de médiation, j'en ai parlé. Construction d'une croyance, qu'est-ce qui constitue... comment se construit une croyance, quels sont les mécanismes en jeu dans quel est le rôle de la sociologie, quel est le rôle des médias, quel est le rôle des réseaux sociaux dans la propagation des croyances. Le savoir et le croire, qui a ouvert également aujourd'hui, qui est un cours qui a ouvert aujourd'hui, revient sur comment se construit une connaissance scientifique. Donc le processus de validation par les pairs, les bases philosophiques que vous évoquiez, des éléments de logique, des éléments de statistique,
pour voilà, définir vraiment ce qui constitue une connaissance. D'autres types de parcours, les parcours dits scientifiques. Donc actuellement, il y en a deux sur la plateforme et ils vont être complétés de d'autres sujets comme le climat, par exemple. Donc le parcours sur l'évolution de l'homme, en travaillant sur ce sujet avec Evelyne Heyer, on a constaté que le Muséum national d'histoire naturelle avait déjà créé un parcours qui est un MOOC, qui s'appelle Les origines de l'homme, qui retrace exactement les propos qui sont intéressants à tenir. Donc sur ce parcours-là, on renvoie vers le MOOC Origines de l'homme. Et sur le parcours qui est actuellement en ligne, le parcours vaccin, on va avoir une succession de contenus qui sont produits par différents types de contributeurs. C'est des contenus qui nous ont été conseillés par M. Fischer, notamment les outils un peu institutionnels, par exemple celui-ci, sur le fonctionnement d'un vaccin qui émane de Santé Info, de Vaccination Info Service. Et voilà. Donc dans un parcours, on va avoir une succession de contenus. Donc là, le contenu suivant, par exemple, c'est produit par l'Esprit Sorcier. C'est une vidéo qui revient sur l'histoire de la lutte contre les épidémies et en fait l'importance de la vaccination dans la gestion de la santé publique. On a différents types de contenus sur ce sujet. On a un autre contenu, par exemple, le suivant, qui est une vidéo qui est issue d'un YouTuber qui a une autre posture en fait de médiation que l'aspect institutionnel. En fait, on cherche à valoriser différents types de communication pour essayer aussi de montrer la diversité d'accès à des différents publics. Voilà. Donc c'est l'objet de ces parcours. Et chacune de ces ressources est également disponible dans la bibliothèque. Hop, j'y arrive. Donc actuellement en ligne, on a un peu plus de 80 ressources, je crois. Si ça charge. Donc on a donc dans la bibliothèque de ressources, on a 80 ressources qui sont triées par différents types de contenus. On a mis un système de filtre en place pour trouver si on veut chercher un événement, une vidéo, un ouvrage, un son, une émission radio. On a essayé de penser à des formats assez larges pour qu'on puisse mettre en avant toutes les productions diverses et variées des contributeurs. On a aussi des filtres qui sont en relatifs aux disciplines abordées. On a énormément de disciplines qui se croisent, donc que ce soit de la médiation des sciences, que ce soit de la philosophie, de la statistique, de la zététique, de la biologie, l'immunologie pour ce qui est du vaccin, etc. Donc on peut appliquer ces filtres-là pour trouver les ressources qui nous intéressent. Et toutes ces ressources sont mises en place par des contributeurs. Et donc on a un annuaire des contributeurs également, que l'on cherche à valoriser. Donc on a deux types de contributeurs, en gros, un auteur, une personne, ou une structure. Et donc on a différents types d'acteurs qui vont se réunir autour de ce projet. Donc on a des experts, donc par exemple là, Claudine Moïse qui était l'experte sur la sociolinguistique, mais on peut avoir Sciences et Avenir qui va proposer des contenus qui sont en lien, soit d'une part sur un sujet scientifique à proprement parler, par exemple la vaccination, soit sur comment se propagent les fake news sur Twitter, par exemple. Voilà. Voilà, donc différents types d'acteurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant les productions et les différentes approches. Aujourd'hui, c'est le lancement, c'est que le début. Donc on va avoir une veille sur les réseaux sociaux pour faire vivre ce site et diffuser tous ces contenus-là auprès de notre cible, qui sont les médiateurs, les professionnels qui sont en contact avec les publics au sens très large. Animer les cours, les parcours. Donc il y en a deux qui commencent aujourd'hui.
Il y a le MOOC, technique de médiation, qui a commencé ce matin. Vous pouvez encore vous inscrire, il n'est pas trop tard. Et le parcours 2 qui est en ligne également, sur la distinction savoir et croire. Et l'idée, c'est de faire que les acteurs de terrain puissent se réapproprier ces outils et les réutiliser dans leur réseau. Regardez, ça peut être modifié, complété, utilisé partiellement, modifié. Voilà, on met cet outil à la disposition de la communauté. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ah oui, c'est bien. Alors juste pour terminer, et pour, mais vous avez sûrement dû le voir déjà circuler sur les réseaux sociaux, on va vous présenter le petit teaser, ne pas hésiter à le partager dans vos réseaux. Comment proposer une nouvelle grille de lecture du monde à quelqu'un sans que cette proposition n'entre en conflit avec sa vision des choses ? Accompagner le discernement entre le croire et le savoir. Qu'est-ce que la méthode scientifique et l'esprit critique ? Comment se construisent nos croyances et comment raisonner au mieux ? Un lieu de ressources, un lieu d'échange, un lieu de réflexion. Parcours 1. Technique de médiation. Préparer une médiation culturelle apaisée. Comment se positionner ? Comment prévenir ? Analyser des éléments, des situations pouvant amener au conflit. Parcours 2. Savoir et croire. Esprit critique et discernement. Comment est élaborée une connaissance ? Quelle est la méthode scientifique ? Le statut de la connaissance. Parcours 3. Se méfier de ses raisonnements. Introduction à la zététique. Notre cerveau nous joue des tours, mais quels sont-ils ? Vous avez dit biais cognitifs, et oui, nous en avons tous. Les détecter chez nous et chez les autres permet d'aiguiser son sens critique. Parcours 4. Mécanisme de la croyance. Comment se propage une légende urbaine, les fake news ou encore les théories complotistes ? Comment quelqu'un de rationnel peut-il adhérer à une idée farfelue ? Rejoignez l'atelier médiation et critique pour partager avec d'autres professionnels vos idées, vos difficultés, mais aussi et surtout vos réussites. Suivez les parcours d'apprentissage pour partager et développer vos savoir-faire. Voilà, la matinée se termine sur ce petit teaser. Donc merci beaucoup déjà d'être venu. Merci aux intervenantes et aux intervenants. Merci à Rachel d'avoir assuré cette animation. N'hésitez pas à partager l'atelier médiation et critique. Nous sommes derrière, mais c'est un projet et un produit que l'on veut collectif et collaboratif. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et des besoins. Nous essaierons d'y répondre au maximum. Merci beaucoup. Bon après-midi d'ailleurs. Bon appétit.